Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 83 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à World of Goo. Donc World of Goo, vous allez voir, c'est un petit jeu sympathique, il n'est pas très lourd, c'est pas un gros jeu 3D, on va le voir tout de suite. Donc World of Goo, c'est parti. On va comprendre le principe ensemble, on va donc utiliser un nouveau profil. On appelle Stage 1 hein, pour pas... Pourquoi? Parce que j'avais déjà commencé sur Venus. Donc Stage 1, allez, chapitre 1, les collines de Goo. Alors, on va avoir une petite cinématique. Ah non, même pas. Donc c'est parti, donc chapitre 1, les collines de Goo. Vous voyez, donc ça c'est une map. On va recommencer le premier niveau, vers le haut. Simple comme bon goût. Donc ils utilisent des petites phrases un peu rigolotes. Donc voilà, le but c'est de glisser-déposer pour construire jusqu'au tuyau qu'on a vu en haut. Donc on va prendre les petites bestioles, je sais pas trop comment on peut les appeler. Des goûts, voilà. Et le but c'est de monter et d'en utiliser le moins. Pour l'instant, là, on monte... Maximum, allez, voilà. Donc à partir du moment où on est assez près du tuyau, il nous aspire. Donc là voilà, le niveau est terminé. Et pour finir correctement les niveaux, il faut un certain nombre de goûts. Donc il y a un objectif à récupérer à chaque fois. World of Goo, voilà, petit machin. Objectif 4, on en a recueilli 10. On a eu plus 6, on l'a fait en 4 coups. Et on a mis tant de temps, tout simplement. Hop là, donc le premier niveau est terminé, ça continue jusqu'au deuxième. Petite faille, plus simple qu'il ne semble. Donc il faut aller là, et nous sommes de l'autre côté. Donc là, il va falloir construire un petit pont. Hop, on va essayer d'en utiliser le moins, c'est-à-dire de tirer au maximum sur le goût pour construire le pont. Alors là, vous voyez, ça penche un peu, ouais, parce qu'on a aussi une notion de poids sur le jeu. Donc vous voyez, ah, le pont, il va se casser la tranche. Il faudrait que j'arrive à le coller contre le bord. Voilà, comme ça. À partir du moment où il est collé contre le bord, il bouge plus. C'est fixé, quoi. Hop là. On va essayer. Encore 1m70. 1m1, attention. Hop là. Donc c'est réussi. Est-ce que j'en ai assez? Oui, c'est bon. Continuez. Hop. Donc l'objectif et tout ça, ils vont nous le redire. Donc, pour l'instant, c'est facile. Hein. On n'est pas dans le gros objectif. Voilà, et j'en ai fait 6 de plus que prévu. Donc c'est bon. Je suis encore dans la norme. Alors on continue. Prochain niveau. Comment il s'appelle? Pendule. Réveille la goût qui dort. Oula, donc là c'est en noir et blanc. Donc on a des goûts qui dorment en bas. Donc le principe là c'est d'aller les réveiller en se rapprochant un maximum de... On l'a vu sur le niveau juste avant, il y en avait qui étaient endormis aussi mais j'en ai pas parlé, donc là on en parle. Regardez, il faut que je me rapproche d'eux pour les réveiller. Ah, il commence à se réveiller. Voilà, on le pose ici. Et du coup il se réveille. Hop, hop, hop. Il en reste un là. Pas se réveiller. Ah si, c'est bon. Non? Ah là, c'est bon, il est réveillé. Donc voilà, maintenant on peut monter. On va construire quelque chose pour monter de plus en plus haut. Hop, il faut monter, le tuyau est tout en haut. Hein. Voilà, donc on construit quelque chose quand même de stable. On va essayer du moins. On sait qu'on est là au-dessus, donc il va falloir revenir un peu sur la droite là. Hop. Comme ça. Et... Comme ça, voilà. À partir du moment où tout ça passe devant, voilà, donc on en a encore plus. C'est magnifique. Rien de difficile du tout pour l'instant. Nous explique, hein, au début, il nous explique comment on joue, donc voilà. Plus 6, comme tout à l'heure. Il en fallait 8, on en a 14. La terre tremble. Une petite animation pour nous dire que le World Book Corporation était ouvert. Je sais pas trop ce que ça signifie.
en palmant, parce que si tu as des problèmes, j'ai pas eu le temps de lire. Alors, hop, là il va falloir monter là-haut sans toucher les petits, on va dire les engrenages que vous voyez. Donc première chose qu'on fait, on construit quelque chose de stable. Donc là j'ai accroché sur la partie en haut, vous voyez, j'ai accroché mon petit goût qui me permet que ce soit un peu plus stable au niveau du pont. Et il faut absolument pas que je touche ces petites pales. Ah voilà, regardez, ça a touché. Donc là j'ai peut-être un peu foiré mon truc, c'est-à-dire qu'il va falloir que... Non, j'essaie de monter. Hop, là ça touche. Ouais, ça touche pas, ça touche pas, ça touche pas. Ah non, ça touche. Donc j'ai perdu mon goût. Et oui, on a le goût qui disparaît. Hein. Et une fois qu'il a touché, on le perd. Enfin, il me semble. Pas vous dire de bêtises. Encore 5 mètres. Oh là là, non, il descend. Ah bah là, là c'est mort de chez mort. Hein. Tu pourrais rien faire. On va réessayer le niveau. Si tu as des problèmes. Ah merde, toujours. Donc on va essayer de le faire encore plus stable que tout à l'heure. Donc on va le construire. Je sais pas où était mon erreur de tout à l'heure. Là c'est vrai qu'il tangue pas mal. Hein. Donc on va en mettre un là. Pour qu'il arrête de tanguer. Allez, hop là. Oula, il touche, il touche, il a touché. Donc là, on sait qu'on a quelque chose de plus stable que tout à l'heure, donc on va peut-être pouvoir monter un peu plus facilement. Sans forcément que ça touche. Ça touche pas, ça touche pas, ça touche pas. Oups, allez, on continue, tant que ça touche pas. On touche du bois, j'ai envie de dire, tant que ça touche pas. Hop là, j'en construis un là. Non, il faut pas que ça tombe, il faut pas que ça tombe. Oui, oui, oui. Ah non, il s'est pas accroché. Oui, c'est bon, ça y est. Ça y est, mon chapiteau, on va dire, il tient. Il est accroché. Hop. Donc là, on va réveiller cela. Allez, non. Comme ça. Donc ça y est, on les réveille et on va pouvoir aller vers la sortie. Il était temps. Voilà. Allez, le dernier. Je pense. Ah non. Je pouvais pas le mettre, de toute façon. Voilà, c'est bon. Donc là, normalement, je devrais avoir assez de goût. Oui, j'espère. Oui, c'est bon. Voilà. J'en ai récupéré assez pour le niveau. 30 de 26 recueillis. 32 de 26. Magnifique. J'en ai fait encore 6 de plus, normalement. 26, 32, plus 6, ou 23. 1 minute 47 pour finir ce niveau. Voilà. Alors, on continue. On va en faire un autre. Machine volante. Certaines boules sont plus légères que d'autres. Donc voilà, là ça va être simple. Voilà. Donc là, il va falloir qu'on utilise ces ballons pour soulever les plaques que vous voyez. Donc avec trois ballons, ça soulève avec deux noms. Il faut les accrocher au bord, là. Hop là. Un. Ensuite, on met le... deuxième et le troisième. Donc vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai gardé un là ici, parce que là il va nous falloir au moins deux ballons pour soulever la cage à goût. Voilà. Hop. Et en fait la faire envoler, et en s'envolant elle va s'approcher du tuyau. Mais comme il est un peu plus sur la gauche, il faut que j'arrive à faire aller un peu sur la gauche. Ouais. Normalement ça devrait peut-être passer. On va quand même le mettre bien comme ça. Oh, ça devrait y aller normalement. Oui, voilà, c'est en face. Hop là, donc en passant devant, hop, aspire les goûts. Donc 6 de 4 recueillis. Et voilà. Donc voilà, c'est pour vous montrer les différents principes du jeu. On va pas aller plus loin. Voilà, le récapitulatif de fin de partie. On va dire. Hop, le goût plus 2, coup. 57 secondes, trop rapide. Et donc voilà, ce sera tout donc pour World of Goo. Corporation, c'est pas si faux.
Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.